Une vie de famille heureuse, tout le monde en rêve. Mais ce n'est pas si facile. Les liens familiaux ont beau être forts, ça ne fait pas tout. Tous les ans en France, près de 150 000 enfants sont placés hors de leur foyer. Une situation dramatique que Pascal Sautens a décidé de combattre au quotidien. Stop. Depuis plus de 20 ans, cet éducateur vient en aide à des adolescents en difficulté et à leur famille. Pour lui, c'est plus qu'un métier, c'est une véritable vocation. Les familles mises en danger, je sais ce que c'est. J'ai grandi ici, dans l'une des cités les plus sensibles de France. J'ai vu des jeunes de mon quartier mal tourner et faire sombrer leur propre famille. Arrête! Trop de souffrance, de violence, de désespoir et de vie brisée. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me mettes la misère comme ça? Montre-le-moi, ouais! Montre-le-moi que t'es ma mère et que tu m'aimes! Pas de quoi impressionner Pascal, à qui l'affrontement ne fait pas peur. Vu qu'on se cogne, on va se cogner, hein! Moi, je suis un compétiteur dans l'âme, je vais rien lâcher, je vais vous bouffer, moi, tous les deux, hein. Les arts martiaux lui ont appris la discipline, le self-control et le respect. Autant de valeurs qu'il met au service de sa mission et qu'il veut transmettre aux familles. Je veux que t'arrêtes de baisser les bras, bats-toi. Je vais t'aider, je te dis, lâche pas, n'abandonne pas. Déterminé à remplir sa mission, Pascal n'a qu'un seul but, venir en aide aux familles en détresse. Bonjour, je suis à quelques kilomètres de Montauban. Je vais faire la connaissance d'Agathe, d'Agnès et d'Adrien, qui ont été adoptés il y a 6 ans en Pologne par Isabelle et Bernard. Mais aujourd'hui, mère et fille vivent comme des ennemis sous le même toit. Pourquoi tu peux pas demander avant de fouiller dans mes affaires, hein? Parce que j'ai pas envie. Tu vas faire quoi? Tu vas Je vais le récupérer. C'est mes affaires que t'as touchées. Déjà, c'est pas rangé, donc tu peux regarder ce que t'as envie. Ben oui, je vais regarder. Mais va-t'en. Mais tu fouilles dans mes affaires, alors je peux fouiller. Je fouille pas dans tes affaires, ça... Vas-y, touche mes affaires, détruis tout. Mais je détruis rien, je cherche. Vas-y, essaye. Mais toi? Provoque-moi. Tu te pousses, s'il te plaît. Ah, c'est là. Merci, tu m'as fait mal au dos. Je t'ai fait mal au dos? Oui, tu m'as fait mal au dos. Et tu m'as fait mal au dos. Mais crie. Oui, je crie. Tu commences à me faire. Si tu savais... Dégage de là. Eh, tu vas pas me taper en plus. Et pourquoi tu viens fouiller dans mes affaires? Mais moi, je fouille pas dans tes affaires. Mais moi, je fouille pas dans tes affaires. Dégage de là, putain. Et tu me parles comme ça? On fait plein de trucs qui me plaisent pas et du coup ça me met un peu dans tous mes états et... Enfin c'est pour ça que ça dégénère. Tu touches pas! Dernier, ça veut pas que tu les touches! S'il y a un truc que j'aime pas, c'est toucher à mes affaires! Dégage de là! Tu vas faire quoi? Pourquoi vous touchez aux miennes alors? Vas-y, énerve-toi! Mais tape-moi quand même! Mais vas-y, tu te pousses! Violente! Dégage de là! Non, je dégagerai pas! Regarde ce qu'il y a! Regarde! Ah, mais bon, c'est bien rangé. Oui, va-t'en maintenant. On va dire que c'est pas ma pire ennemie, mais c'est une de mes ennemies, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Vas-y, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sors de là parce que toi, j'ai la... Mais si j'ai pas envie de sortir de là! Et c'est moi, je te dis que tu vas sortir. Casse tout! C'est toi là qui casse tout! Non. Dégage! Non, t'as pas à me parler comme ça. T'as pas à me parler comme ça, gâte, tu vas dehors. Casse-toi! Tu vas dehors! Casse-toi! Tu ne tapes pas! Tu me tapes pas! Oh, tu baisses tes mains, là! Non! Si! Non! T'as cassé ma montre! J'en fous ta montre! Dans cette maison, Isabelle contrôle tous les faits et gestes de ses deux filles et les interdictions sont nombreuses. Ce qui provoque de grosses colères chez Agathe, la plus jeune, qui n'hésite pas à se rebeller. Agathe, mange pas les oranges! Il faut pas que je me bats! Non, n'est-ce pas! Tu me donnes ça, ne mange pas sur le canapé! On mange pas sur le canapé! Tu la donnes la bande d'arrêt? Non. Je te la donnerai après, mais tu la manges pas sur le canapé. Moi, j'en ai pas rien à faire. On en a pas rien à faire. Agathe, on va te faire mal. Là, je l'ai, c'est bon. Ma mère, je ressens de la colère, de la haine. Il y a des choses qui me dépassent, Agathe. Le vocabulaire, c'est... Ça te dépasse, ça? Oui, dans mon temps. Elle te dépasse pas, peut-être? Non. Tout le monde me dépasse. Tout le monde me dépasse, Agathe. Tu sors pas. On te parle, là. Tu restes avec... Alors, tu vois! Tu peux rester là. Non, je ne resterai pas là! D'accord. De toute manière, depuis le début, il y a un refus d'autorité, mais grave. Mais ça, tout le monde, tous les spécialistes qu'on a vus nous ont dit. Elle refuse ton autorité. Où tu vas, là?
Isabelle est vue comme une mauvaise mère aux yeux de ses filles adoptives, car très souvent la situation s'envenime et elles finissent par en venir aux mains. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ma mère, ben, tout le temps écrit. Après, ben, des fois, elle me tire les cheveux. Oui, je suis une p***. Répète-le plus fort. Peut-être ta mère, elle a p*** toi. Mais moi, non, j'ai ma conscience tranquille. Moi aussi, je suis pas une p***. J'ai pas, et ma mère non plus. Ouais, bien alors, il n'y a pas à s'insulter, c'est tout. Ça commence à bien faire de s'insulter. Isabelle est devenue l'adversaire de ses deux filles. Une situation alarmante que Bernard ne contrôle plus. Et qui génère des tensions au sein de leur couple. T'as cru que t'allais rentrer, hein? Aïe! T'as cru que t'allais rentrer dans ma chambre? Je vais rentrer. Non. Eh ben! Donne des conneries, elle est folle ou quoi? Point. Et je rentre, oui. Vas-y, fouille. Oui, je vais fouiller. Fouille! Je vais fouiller dans mes affaires et je vais fouiller les tiennes. Je te le garde, viens! Agathe! Agathe, viens, on va fouiller dans sa chambre. Mais viens. Allez, vas-y, t'inquiète pas. Je vais le faire, hein. Je vais le faire. Et tu les laisses fouiller dans notre chambre, toi? Mais fouille dans ses affaires. Je reviens mes affaires. Je les ai pas, tes affaires. Non, tu les as pas. C'est quoi, les affaires de l'année dernière? Oh! La gueule est encore plus, là. Même ma psy, elle me dit, ils veulent vous faire payer. Mais oui, mais moi... Comme on leur dit, c'était la vie d'avant, maintenant il faut avancer, il faut poser le sac à dos et avancer, parce que sinon, là on s'enfonce, quoi. Mais tu crois que tous les parents qui adoptent, ils vivent un enfer, mais ils en font adopter? Mais déjà, t'en voulais que deux, pourquoi vous en avez adopté trois? Ah ben, on n'en aurait pas voulu trois, on n'aurait pas fait l'extension d'agrément. Mais c'est parce qu'on, voulait pas te laisser au bord de la route. Moi, je suis de trop, hein. Non. On n'a jamais dit ça, tu t'y j'ai crois. J'ai jamais dit ça, je suis même fier de t'avoir. Mais non, parce que je fais la maman. Vous aimez, c'est vous dire non. Et ça, c'est important. Attends, vous adoptez des gosses pour leur faire vivre un enfer, c'est ça? Et pourquoi les enfants ils nous font vivre l'enfer? Mais c'est toi qui commences, c'est toi qui commences, nous on finit. Pour comprendre comment ce cauchemar a commencé, je vous invite à connaître l'histoire de cette famille. Isabelle et Bernard sont mariés depuis plusieurs années. Le couple rêve de fonder une famille. Mais ce projet ne peut aboutir car l'un des parents ne peut pas avoir d'enfant. Après de nombreuses fécondations in vitro sans succès, Isabelle et Bernard sont dans l'incapacité de fonder une famille. Bah, disons que chaque fois, pour elle, l'échec a été très dramatique. Pour moi aussi, mais je le gardais plus dans mon intérieur. Isabelle et Bernard s'orientent vers l'adoption. Une lueur d'espoir pour ce couple. Et après, on a monté le dossier d'agrément au conseil général pour deux enfants. Quelques mois plus tard, ils sont contactés par l'organisme qui s'occupait de leur dossier pour adopter une fratrie de trois enfants orphelins. Adrien, 2 ans, Agathe, 7 ans et Agnès, 9 ans. Ils sont dans vos âges. Bon, il y en a trois, pourquoi pas. Et en plus, je ne me voyais pas de prendre deux enfants et laisser l'autre de côté. Je sais pas, je trouvais ça inhumain. On a su que la maman était morte. Le papa, on sait qu'il était en prison, c'est tout. Le dossier d'adoption du couple est accepté. Pour eux, c'est un rêve qui se réalise enfin. Et après, ça s'est passé qu'un samedi soir, ils nous ont appelés, nous ont dit « Voilà, lundi matin, il vous faut être à Varsovie à 8h. » Et alors là, c'est timing, vite, vite, les valises et les machins, parce que là, on allait vraiment pour adopter et on partait pour 2 mois. Après 2 mois passés à Varsovie, la famille au complet vient s'installer en France. Pour le coup, je pense que j'étais heureuse, mais... J'étais petite, donc je comprenais pas ce qu'on me disait. On est heureux, dans le cœur. Bon, c'est un peu... Parce que les filles, elles sont pas bisous, elles sont pas câlins, elles sont pas... Voilà quoi, elles sont pas apprivoisées, on va dire. Mais rapidement, Isabelle est un peu dépassée par son nouveau rôle de maman, qui s'avère très difficile pour elle. Son manque d'habitude, sa difficulté à communiquer et ses règles très strictes creuse un fossé entre elle et ses deux filles adoptives. On devait faire des devoirs toute la journée. On était sur les cahiers toute la journée. Enfin, on n'avait pas le droit de s'amuser. On allait chez l'orthophoniste, on allait chez ceci, on allait chez cela. En fait, on ne pouvait pas respirer. Donc, elle était sur notre dos pendant un an. Et c'est là que ça a commencé à s'empirer.
De plus, Agnès et Agathe sont jalouses de la relation qu'entretient Isabelle avec Adrien, leur petit frère, avec qui les échanges sont plus affectueux. Comme en fait elle l'a vu plus petit et que nous en fait on était un peu plus grands, du coup en fait c'est comme si elle l'avait considéré comme son enfant. Aujourd'hui, Agnès et Agathe refusent toute autorité venant de leur mère adoptive. Il n'y a aucune complicité, aucune affection. Mais je les aime, mais c'est même pas la peine de leur dire. Parce qu'elle me dit, ah, tu mens. Quand je leur dis, je me prends un râteau. Je sais pas si elle nous aime pas, mais moi, je me dis qu'elle m'aime pas. Elle est toujours en train de nous critiquer, de nous faire des réflexions, des remarques qui servent à rien. Agnès et Agathe se sentent exclues de la vie de leur mère. Par conséquent, c'est Bernard, le papa, qui se rapproche de ses filles. Ce qui provoque une grande jalousie de la part d'Isabelle. Avec Isabelle, ça engendre des problèmes dans notre couple parce que pour moi, c'est trop dur de ne pas pouvoir discuter avec ses enfants. Au sein de cette famille, je vais devoir dans un premier temps ressouder les liens entre Isabelle et ses deux filles adoptives, mais aussi par la suite, ceux du couple. La vie de famille idéale, c'est s'amuser ensemble, rigoler et faire plein de choses ensemble et non pas s'engueuler toujours. Donc, j'attends de Pascal qu'il vienne nous aider. Déjà que maman, elle arrête de nous crier tout le temps dessus. J'attends de Pascal que, ben, si au moins elle ne m'aime pas, parce que ça, bon, voilà, elle me le dit tous les jours, on t'aime pas, on t'aimera jamais, t'es une machin, que au moins du respect. Pour m'accompagner dans cette aventure, je me suis entouré des meilleurs spécialistes. Caroline Bonhomme, qui étudiera les blessures psychologiques de cette famille. Gaspard Jassef, lui aussi adopté pendant son enfance, viendra témoigner de son histoire. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'étais pas là-bas. En Pologne Oui, en Pologne. En Pologne, il y avait des lits. Alors, je me trouve à 300 mètres de chez eux. J'écoute la conversation. Et à tout moment, je peux partir à leur rencontre. Je serais là-bas, il n'y aurait pas eu de problème. Oh, ben, ah, parce que t'en as beaucoup ici? Ben, ouais. Beaucoup, oui, parce que sinon, on ne serait pas à ce stade-là, je te signale. En plus, tout ça à cause de toi. À cause de moi? Oui, à cause de toi. Et si t'étais adoptable d'un orphelinat, c'était à cause de moi? Mais ça, c'est pas ton problème, déjà. Ah ben, c'est un peu le mien, puisque t'es ici. Mais oui, mais c'est pas ton problème, ce qui s'est passé avant dans ma vie. Ce n'est pas notre problème. C'est... Voilà, ça, donc, c'est ta vie. Hein, donc, arrêtez d'inventer, arrêtez de dire ce qui n'est pas vrai. Chacun a son passé et on accepte son passé comme il est. Agathe, tu arrêtes de toucher et... Moi, je vais vous déchirer vos affaires de l'école ou vos habits. Vous allez voir si ça va être trop beau. Oh, mais c'est pas parce qu'on touche une feuille, ça y est, c'est la fin du monde. Ah non, mais vous avez arraché. Donc, je me méfie maintenant. Elle a pleuré. Bon, c'est une discussion qui tourne en rond. Je vais maintenant intervenir. Je sais pas du tout comment je vais être accueilli. Tu me donnes mal à la tête quand tu me parles. C'est incroyable. Tu te donnes mal à la tête? Oui, j'ai mal à la tête, là. J'en veux pas. Elle est intoxique. Ouais, je crois, parce que là, mon cerveau... Je l'intoxique quand je parle. Ouais. Moi, je suis pas une souris et je vole pas. Ça sert à rien. Tu voles pas, non, jamais. Ça ne peut pas y être. Tant qu'on vole et qu'on fuit partout. Je suis désolée. Oui? C'est Pascal, arrête. Bonjour. Bonjour. Je peux rentrer? Allez-y. Parfait. Isabelle? Oui. Allez bien? Pascal? Bernard? Bonjour. Pascal, enchanté. Pour moi, ça a été une grosse émotion et une grosse. Ça a été impressionnant et c'est vrai qu'on l'a vécu d'une manière assez impressionnante. Agnès, Agathe, c'est ça? Ben, pour moi, ça s'est bien passé. Enfin, je n'ai pas été étonnée, ni choquée, ni quoi que ce soit. Donc... Ça va, jeune homme? Oui. En forme? Oui. Bien. Est-ce qu'on peut s'installer quelque part autour de la table pour qu'on puisse faire une discussion? Là, allez-y. Je me suis dit, enfin, fini les problèmes. Il est venu pour nous aider. Il s'est présenté, on lui a dit bonjour. Ensuite, on s'est mis à parler. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Beaucoup de disputes, pour pas grand-chose. Beaucoup d'insultes. D'accord. Tu fais celle qui n'a jamais rien fait, comme d'habitude. Et toi, tu fais jamais rien? Ben si, moi, je fais des trucs parce que tu m'énerves. Qu'est-ce qui t'énerve? Elle. Wow. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Agathe? Ça te saoule un peu? Tout ça? Ça t'agace? Pourtant, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? De parler. On est en train de faire une discussion simple, sans crier. Maintenant, il y a peut-être d'autres façons de faire. Moi, j'ai d'autres méthodes à vous proposer. Et là, à toute la famille. Donc, si méthodes vous intéressent, je peux les mettre en avant pour vous.
Mais il faudra accepter mes règles. Donc si vous m'avez demandé de venir, c'est que je vous impose mon autorité, d'une part. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde soit très clair avec moi. Il annonce qu'il a ses règles, que les nôtres, ils s'en fichent. Bon, pour moi, ça ne m'a pas choqué. Mais je pense que pour les filles, c'était quelque chose qui préparait un certain changement. Est-ce que vous faites confiance à Agnès ? Non. Ok. Moi, je vois, j'y fais beaucoup Est-ce confiance. Est-ce que vous faites confiance à Agathe ? Encore moins. Encore moins, d'accord. Est-ce que vous faites confiance à vos enfants ? Ah oui, beaucoup. Tous les trois ? Agathe aussi, et Adrien ? Agathe, ça dépend pourquoi, mais je dirais parce que c'est oui, vrai non. qu'elle est un peu plus... Alors Agathe, je te vois réagir. Tu peux te défendre ou pas ? Dis-moi. Je t'écoute. Oui, dis les choses, hein. Oui. On est là pour parler. Hein. Bah, il ferme tout à clé, donc... J'ai pas fermé plus à clé que d'autres, que maman, moi. Non, mais attends, laisse-la parler. Maman, quand elle ferme tout à clé, par exemple, Là, je parle de ton père. Ben, des fois, il ferme à clé aussi. Le frigo avec les yaourts, il est clair qu'il est fermé. Là, en bas, là, c'est fermé. Parce la que maison, c'est fermé si aussi. Si on revient, hein. Il y a des pots de yaourts dans tout le terrain, mais on sait pas quand ils ont disparu, il n'y en a pas pour tous les autres. Est-ce que c'est vrai, ça ? Non. Donc là, votre père ment. T'as cru que j'allais manger tout le frigo entier ? Non, mais donc ma question, c'est... Agathe. Non, mais ça m'énerve, Agathe. Voilà, je te jure, je vais partir, là. Agathe. Bon, allez, moi, j'ai rien de putain. Voilà. Agathe. Bravo, t'es contente, toi ? Agathe, viens voir. Parle-moi à moi. Est-ce que je t'ai fait quelque chose, moi ? Agathe. Maman, papa, ils commençaient à parler d'une chose qui m'a pas plu. Du coup, je suis partie. Pourquoi tu pètes un plomb, dis-moi. Parce que c'est elle, là. Je te parle doucement. Je suis pas ton ennemi. Moi, je t'ai fait aucun mal. Je pose des questions. Je veux savoir pourquoi t'as pété un câble. Pourquoi t'es parti en courant. Qu'est-ce qui t'énerve. Dis-moi la vérité. Mais c'est pas vrai. Bah voilà. Donc pourquoi tu pars en t'échappant. Parce que c'est pas vrai ce qu'il dit. Bah dans ce cas, tu le dis devant moi. Si tu t'échappes, tu leur donnes raison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, aujourd'hui, tes parents ferment tous les placards pour vous empêcher de vous servir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'ils croient que je suis une voleuse. Sauf que c'est aussi chez moi. Si j'ai besoin de prendre un gâteau, par exemple, pour le goûter, je n'ai même pas le droit de faire ça. Je suis d'accord, moi, je suis d'accord pour que tu en prennes. Je n'ai pas eu le souci. Mais pourquoi on retrouve les yaourts vides dans le jardin ? C'est ça, ma question. Mais je le mets à la poubelle, je ne le mets pas dans le jardin. Bah, j'ai pas, on m'a dit jardin. Est-ce que tu veux qu'on éclaircisse ça ensemble ? Ben oui. Alors viens. Et tu as vu, si tu t'échappes, je te cours après. Ça sert à rien. Et Pascal, il m'a rattrapé, il m'a expliqué que ça servait à rien de partir. Il fallait juste dire la vérité. Si t'as fait une bêtise, assume-la. Tu dis oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'ai mis les pots par terre. Ok, je le referai plus. Ça y est, c'est réglé. On te fait confiance. Par contre, si tu dis non, c'est pas moi, je me suis pas servi, j'ai pas le droit, je mange un yaourt, faut que je demande, genre machin, je suis en prison. On va toujours trouver des excuses et ce sera toujours conflictuel. Ben, il est gentil. Je croyais qu'il était plus autoritaire que ça. T'as peur de quoi ? T'as la punition ? Non. T'es déjà pas assez puni ? Tout est fermé ? Non. Tu peux même pas prendre un paquet de gâteaux, c'est quand même un monde, ça. Non ? Oui. Donc, l'histoire du yaourt, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Voilà ! Merci ! Et est-ce que pour autant, je vais t'engueuler ? Non. Alors voilà. Donc, dans ce cas, viens, on va en parler devant tes parents. Agnès, s'est échappée ou elle est toujours là ? Oh non, ça va. Ah, parfait. Moi, je vais bien faire du sport aujourd'hui, hein. je suis habitué, y a pas de souci, hein. Agnès, tu reviens. On va résoudre justement ce petit souci de okay. confiance. Ouais. Donc, en effet, les pots de yaourt, c'est bien, Agathe. Mais oui, vous le savez. Ah, mais voilà. Après, peut-être qu'elle veut pas le dire par honte ou se dire, bah non, c'est pas moi. Après, moi, ce que je trouve pas forcément... normal, c'est voilà quand un enfant, voilà quand c'est l'heure du goûter, quand il doit pouvoir. Ah non, mais il l'argent aussi. Hein. Attendez, je parle d'abord de la nature, chaque chose en son temps quand même, ne me mettez pas tout sur le dos tout de suite. Non, mais. Laissez-moi respirer. Là, je viens de me taper un petit footing, un petit 100 mètres, un sprint là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui m'agace, c'est de savoir qu'effectivement tout est enfermé. C'est-à-dire que le rapport de confiance n'existe pas à 100%. Ah, mais bien sûr, je me dis que ben, il faut qu'on change tous, et moi particulièrement parce que. Ça fait 3 ans que je subis ça. Donc je me dis que oui, c'est une remise en question et c'est pour ça qu'on a fait appel à Pascal et à son équipe. Je vais avoir besoin de tous les 4. D'accord ? Le petit, je crois que la mamie peut le garder. Tout à fait, il s'agit que j'appelle maman. Hein, tu vas aller avec mamie. Vous connaissez le principe de l'émission. Ouais. On quitte le lieu, on part sur un bootcamp.
dans un lieu qui est neutre. Et là-bas, on va tout recommencer. Ça marche ? Je vous laisse faire vos bagages et vous décolle. Pas de drap. Comment ? Pas de drap. Pas de drap. C'est pas nécessaire. Ben, je voulais que ça s'arrange, mais j'étais inquiète. Parce que je croyais pas qu'on allait partir. Je croyais qu'on allait rester à la maison. Ok, je vous laisse faire votre petite vie, là. Alors, bien sûr, on met pas 3 heures. Pour combien de jours ? Pour 4 jours. Si. Et là, je blague pas. 4. Allez, on y va. Pascal nous dit. Pascal nous dit, ben, faites vos bagages, on s'en va. Dans un lieu neutre, comme pour régler les conflits. Je trouve la méthode même très positive parce que c'est la meilleure solution pour laisser un peu les choses qui sont négatives. C'est bon ? Alors, on y va. Je passe au milieu comme les enfants. Mon arrivée a secoué toute la famille. Mais je sens qu'ils sont soulagés que je sois là. Je décide de détendre l'atmosphère pour me familiariser plus rapidement avec eux. Vous ressemblez à Sacha Distel. Ah. Je vous assure, vous avez un air à Sacha Distel. Moi, on m'a dit Diego Maradona. Ah, Maradona aussi, c'est vrai. On m'a souvent appelé Maradona dans le travail. Ah, donc pour la chanson Distel, et pour le sport, Maradona. Mara Distel, je vais vous appeler. Ben, ça va. Ça s'est bien passé, on a parlé, on a un peu... Enfin, Agathe, elle était timide, mais après, moi, ça va. Presque. Pas assez rapide. Elle tue les mouches. T'es rapide pour t'échapper, mais pour tuer les mouches, ouais, c'est très rapide, hein. Hein. Agathe, t'es toujours là ? Oui. Tu risques pas de t'échapper de la voiture ? Non. Bon, ça va. Avec Agnès, c'était l'angoisse d'Agnès, de dire, mais pourquoi c'est... Tout d'un coup, c'est si calme. Et pourquoi, même si on se dit des choses, personne ne bouge ? Je dis tout simplement, c'est l'effet Pascal. Bah si, on se pose des questions, mais bon, on sait que on va vers, vers la liberté, quoi. Vers, on va pouvoir vider nos sacs. Nous roulons pendant des heures dans la forêt. Et c'est par un temps hivernal en pleine nuit que nous arrivons au bout de camp. Vous partez pour un mois, là, non ? Mais ne vous y fiez pas, nous ne partons pas en week-end. Je vais vite les faire redescendre de leurs nuages. Et on arrive dans une chaumière. C'est très joli, c'est calme, reposant. C'est super, quoi. Ça, c'est votre lieu de vie pendant les prochains jours. Profitez-en, c'est très original. Ouais, mais pas ça chez vous. Les filles, je vous sépare. Pourquoi ? Parce que vous, avec vos parents, ça ne va pas du tout. Donc, je ne vais pas déjà vous mettre dans la même pièce. Ça ne sert strictement à rien. Ce serait maladroit de ma part, je pense. D'accord ? Et comme ça, vous allez vous retrouver toutes les deux, vous allez discuter de ce qu'on va faire ici. Ça vous va ? Tous les deux, je vous laisse vous installer tranquillement. Par contre, les filles, vous sortez avec moi, vous me suivez. Et on se revoit juste après. D'accord. Ok ? À tout à l'heure. Ben, on est arrivé, c'était une maison. Puis on était séparés, papa et maman d'un côté et nous de l'autre. C'est moi, quand je vous vois là, les filles, moi, je vois deux jeunes filles sympathiques, timides, réservées. Par contre, quand je contrôle les images de ce qui a été filmé de vous, bah, je suis plutôt surpris, quoi. Donc, je suis en train de me demander si vous n'êtes pas en train de jouer un double jeu avec moi. Que vous faites genre les timides. Voilà, Pascal, on va faire son timide, comme ça, il va pas nous crier dessus. Bon, je suis pas là pour crier sur qui que ce soit. Mais montrez-moi qui vous êtes réellement. Si vraiment vous voulez que je vous donne un coup de main, montrez-moi qui vous êtes. Parce que quand vous allez rentrer chez vous, si on n'a pas résolu les problèmes, ce sera exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, je ne savais rien. Et ce sera même peut-être pire. Bon, les filles, je vous dis à demain. Bonne soirée. Moi, je n'arrivais pas à dormir. Je posais des questions à ma sœur, mais on dirait comment ça s'en fout. Donc, je stressais un peu quand même. Alors, ça y est, vous avez pris vos marques ? Oui, ça va. Quoi qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour prendre ces marques. Hein. Vous imaginez que vos filles pensent que vous ne les aimez pas ? Oui, je sais. Ils me le disent. Moi, je suis carrément opposé de ce que j'ai vécu. Moi, j'avais pas des parents qui m'ont montré une affection. Et au contraire, vous, par contre, vous avez fait l'inverse. C'est bien. Moi, je suis carrément à l'opposé de mes parents. Ça, c'est vrai que. C'est ce qui vous manquait à vous, en fait. Mais moi, il me manquait tellement les enfants que. Ils sont là, ils vont souffrir. Ils vont souffrir, c'est pas possible. Tout ça, c'est souffrir, c'est pas possible. C'est trop. Comme je disais, on aurait pu avoir des enfants naturels, ils ne seraient pas plus beaux que ce qu'on a. En plus, elle ne demande pas grand-chose, elle demande de l'amour.
On voit qu'Agnès a fait des progrès, mais Agathe, moi je vois pas. Mais je vois que le négatif. Mais oui, ça me touche. Je vois. Parce qu'au début, c'était tout beau, tout rose. Pourquoi ça a changé? Je sais pas, il y a le truc que j'ai oublié, je suis nulle. Ils me le disent tous les jours, t'es nulle, tu sers à rien. On a l'impression. Arrêtez d'être persuadé de ça, d'accord? Vous ne l'êtes pas. Tu sers à rien. Vous avez juste loupé quelque chose, c'est tout. Oui, mais quoi? Mais on va le trouver ensemble. On est là pour ça. Je me sens pas angoissée, je vais dire. Je me sens. Il y a plein de questions qui se bousculent dans la tête. C'est une famille déchirée que je laisse derrière moi. Leur histoire me touche. Je vais trouver le meilleur moyen de les aider. Ok, bonne nuit, à demain. Allez, à demain. Ce soir, chacun reste de son côté. Mais demain, je serai obligé de les confronter pour tirer un trait sur leur passé douloureux. Et envoie tout ce que t'as, allez! Que j'en ai pas envie de souffrir! Oh, je peux pas parler. Mais je comprends, moi j'ai peur de vous aussi. Je dis oui, je suis prête. Et parce qu'elle nous envoie. J'en ai plein le cul de cette pourrie! Et de cette. Ce matin, je me dirige d'un pas affirmé vers la maison où dorment Agnès et Agathe. Ça y est, le petit déj est pris. Bientôt. Ok, alors les filles, couvrez-vous, parce qu'il ferait vraiment très froid. Mmh. Et on va passer un long moment dehors. Okay. Donc commencez à penser à ce que vous avez à me dire. Oui. Sur la situation, sur votre maman, ce qui vous agace, etc. Tout ça. Ok. Je commence la journée avec les deux sœurs, car j'ai besoin de comprendre mieux leur situation pour les aider. Souvenez-vous, Agnès et Agathe ont été adoptées il y a 6 ans, à la suite du décès de leur mère et de l'emprisonnement de leur père. Bien, les filles. Alors, on a tout cet espace pour nous. D'accord? Avant de commencer, on va s'échauffer. Comme tu es la plus âgée que tu es la plus jeune, je pense que tu es en meilleure santé, en meilleure forme plutôt. Donc c'est toi qui commences. Allez go, deuxième arbre, c'est parti. Et après, tu viens toucher la main de ta sœur. Cours doucement, tranquillement, parce qu'on va le faire plusieurs fois. Alors, pendant que vous courez, je vais vous parler. Vous allez essayer de me répondre. Donc, vous êtes partie de la Pologne à quel âge? 9 ans. 9 ans, tu t'en rappelles? Oui. Tu t'en rappelles bien? Ok, 9 ans. Allez, go, à ton tour. Ok. Quand tu étais en Pologne, quel souvenir tu as gardé de là-bas? L'orphelinat. L'orphelinat. Comment ça s'est passé là-bas? C'était bien? Oui, bien. Ok, bien. Allez, hop, on change. Viens, ta sœur me porte de l'orphelinat, donc avec ta maman. Oui. Alors, elle te manque? Oui. Et ton papa, quel souvenir tu as de lui? J'en ai pas. T'en as aucun? Non. Vraiment? Une ou deux fois, on l'a vu, mais rien de plus. Ok. En fait, mon père, je le voyais pas. Apparemment, d'après ce qu'on dit, il était en prison, donc j'ai dû le voir une ou deux fois, mais... Si dans tout ce qui se passe aujourd'hui, si t'avais quelque chose à changer, tu changerais quoi? Le comportement. Le tien? Oui. Je crie trop. J'insulte. Qu'est-ce qui t'énerve chez toi aussi? Ah, tu commences à être fatiguée là. Chez moi? Ouais. Je râle trop, je m'énerve trop vite, oui. Ok. Stop, on arrête. Les filles se montrent agressives au quotidien avec Isabelle, leur mère adoptive. Mais ce n'est pas l'image qu'elles renvoient depuis l'arrivée au bootcamp. Pour voir leur vrai visage, je vais creuser un peu plus. Ma mère me saoule. Encore. Allez, elle te saoule. Pourquoi elle te saoule? Parce qu'elle arrête pas de crier. Ok, allez, demi-tour, hop, tu repars. Parle-moi de ta maman. Ma mère, elle sait pas s'occuper de nous. Ah, ça, c'est bon. Elle traite ma mère biologique de... De prostituée. Tu penses que c'est normal? Non. Tu lui en veux? Oui. Tu as raison. Allez, vas-y, pars. Tu crois que c'est normal? Qu'est-ce qu'elle te dit, ta mère? Elle raconte n'importe quoi sur nous aux gens. Elle t'énerve, ta mère, ou pas? Oui. Alors, montre-moi. Voilà, c'est ça que je veux. Allez, go, tu pars. Quoi d'autre pour toi? Elle gâte mon frère plus que nous. Ouais. Tu penses que c'est normal ça aussi de faire des différences? Non. Est-ce que tu mérites ça? Non. Est-ce que tu mérites ça? Non. Est-ce que tu mérites ça? Non. Reste là. Maintenant, moi, je vais mettre à la place de vos parents adoptifs. Vous allez me mettre des coups. Partout, sauf au visage. D'accord? T'es une grosse voleuse. T'es une sale voleuse. T'es une bonne à rien. T'es une incapable. Et toi, t'es pire qu'elle. Tu te permets de m'insulter alors que tu t'es adopté. C'est moi qui t'ai recueilli. Oh, voilà. C'est moi qui t'ai accueilli. C'est comme ça que tu me remercies? Hein? Elle te dit des choses pires que ça?
Je peux me permettre ? Oui. Elle te dit quoi ? Elle dit aux gens que Agathe fait les trottoirs. Tu fais le trottoir ? C'est pas vrai. Bah, je sais pas. Pourquoi elle te dit ça alors ? Il y a un problème là. On a un gros problème. Hein. C'est nous qu'on la tape et qu'on l'insulte. Mais on l'insulte et on la tape parce qu'elle nous a déjà fait vivre un enfer. Donc. Elle est toujours sur notre dos, en train de nous. Enfin, elle est toujours en train de dire des choses négatives sur nous, du coup. Comme quoi ? Ben tout, n'importe, qu'on est nul, qu'on sert à rien, qu'elle nous insulte en permanence, mais je suis pas comme ça, moi, avec les autres gens, je peux pas être méchante, parce que j'ai déjà un enfer chez moi, je peux pas. Je viens de remarquer que les filles souffrent beaucoup de cette situation. Bien trop fragilisées, je leur propose de se défouler pour évacuer leur tristesse. Tu es prête ? Oui. On y va ? Quand tu veux. Encore, tape, 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 tape fort, tape fort, tape fort, tape fort, encore, 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 encore. Ouais, le coup de poing était pas mal. Ok, on change. Allez, tu respires. À toi. Allez. Encore. Regarde comment elle envoie ta sœur. Je veux que tu fasses comme elle. Mieux qu'elle. Encore. Allez, on change. Bien ça. Voilà. Allez, serre les dents et envoie tout ce que t'as. Allez. Tout. Pense aux insultes. Bah, tape. Mets des coups de poing. Ok, reviens. C'est pas mal. Ça fait du bien ou pas ? Oui. Ce que je vais vous proposer, c'est... Je vais vous mettre face à vous, vos parents. Mmh. Et on va voir si vous parlez. Ok ? Oui. Je compte sur vous. Maintenant que j'ai entendu tout ce que les filles ont sur le cœur, je leur propose un autre exercice tout aussi difficile. Celui de s'adresser de vive voix à leurs parents adoptifs. Bien, Isabelle, si vous voulez bien venir ici. Bernard, en face, s'il vous plaît. Cet exercice, pour moi, il est très important. C'est l'exercice des reproches. On n'est pas là pour se dire on s'aime, on n'est pas là pour se dire pardon, on est là pour se dire ce qui ne va pas. Les filles, à vous l'honneur, allez. J'en ai marre que t'arrêtes pas d'insulter ma mère biologique. Ta mère, elle est morte, la pauvre, elle n'y peut rien, et maintenant... Tu l'insultes pas, là ? J'ai insulté personne, j'y allais morte. Si, tu l'as insulté, je te signale à la maison, tu fais que ça. T'arrêtes pas de l'insulter. Je l'ai pas insulté, j'ai juste dit elle est morte. Arrête de mentir que tu l'insultes pas à la maison. Et là, oui, peut-être tu l'as pas insulté, mais à la maison, tu dis pas ce que tu fais réellement. Et toi, tu le dis, vas-y, tape-moi. Je fais que me défendre, moi. Arrêtez là, parce que je dirais, il y a une chose. Alors donne-moi et je te donnerai. Il te faut toujours avoir le dernier mot, Isa, même quand c'est moi qui leur dis quelque chose. Il y a une chose aussi, Agathe, que je vais te poser comme question, c'est pourquoi tu fouilles toujours les affaires de maman. Je fouille dans les affaires de maman parce que j'ai besoin de savoir. Savoir quoi ? Savoir quoi ? Savoir où je vais travailler, qu'est-ce que je vais faire de la journée, chez qui je vais. Comme tu nous parles pas, il faut bien qu'on cherche des trucs pour les découvrir. Vous nous racontez même pas votre vie quand vous faites les trucs. Pourquoi tu poses pas des questions directement quand tu veux savoir quelque chose ? Et parce qu'elle nous envoie ch... Alors ça, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non ! Si, c'est vrai. C'est... Quand je te parle, c'est que t'as pas à me parler, t'es pas ma mère. Et tu te demandes pourquoi je te parle comme ça ? Tu te demandes ? Dès que t'es là, de toute façon, on a le droit de rien faire. Tu fermes tout à clé, tu nous donnes aucune autorisation, on a le droit de rien faire. Pourquoi vous nous avez adoptés alors que maintenant, ça se passe mal à la maison ? Ça m'énerve que tu mentes, ça m'énerve que tu fouilles. Mais dis non, les choses, dis les choses, Agathe. Défends-toi. Je mens parce que j'ai envie, parce que je n'ai pas envie de souffrir. Comme tu le fais. Eh bien, plus tu m'aimes, plus tu souffres, plus tu es jalouse. C'est toi qui me rends jalouse. Jalouse de quoi? Mais t'es toujours en train de chouchouter Adrien. C'est normal qu'on soit jalouse, non? Mais arrête de mentir sur ça. Tu parles de la jalousie des filles. Est-ce que tu en as pas un peu aussi, toi, de jalousie? Non. Pas non, du tout. Je t'appelle. Est-ce que tu es pas jalouse avec papa, t'es obligé de venir voir ce qu'il se passe. De ma relation avec les filles qui est meilleure que toi? Parce que peut-être j'aimerais qu'elles se confient un peu à moi. Là, je ne veux pas les écouter. T'es toujours en train de nous juger. Jamais tu parles bien de nous. T'es toujours en train de raconter de la grosse m*** aux gens. Isa, là, de ce côté-là, je pense que les filles ont raison. Tu parles toujours à tort à travers des filles. S'il n'y a jamais quelque chose qui va de ce côté-là. Et pourtant, ils t'ont demandé des excuses. Et pourtant, ils t'ont écrit des lettres d'amour pour ta fête des mères. Et que tu nous as envoyé ch*** comme d'habitude. Parce que tu m'as dit j'ai écrit, mais je ne le pas. La fête des mères, pas. Je dirais pour elle, c'était important. Et tu l'as gâché. J'en ai plein le c*** de ces c*** et gâché ça. Ce que j'ai essayé de faire comprendre à ma femme, c'est qu'elle nous écoute, elle ne nous écoutait plus. Je pense qu'elle ne m'entendait pas encore. Enfin, ou qu'elle voulait pas. Elle voulait pas reconnaître ses torts. Isabelle, à votre avis, quels sont vos torts ? C'est vrai que j'écoute pas assez. C'est ce qu'on vous reproche, hein ? Oui. Aujourd'hui, les filles ont besoin d'avoir une maman qui les encourage, qui les félicite, qui les aime,
qui les câline, qui de temps en temps, bah ouais, met des règles en place. Mais là, j'ai l'impression que dans votre mode de fonctionnement, il y a trop de règles pour certaines et il n'y en a pas pour d'autres. Isabelle, je vais encore vous poser une question. Ça vous fait quoi, le fait que vos filles soient plus proches de votre mari que de vous? Ça m'énerve. Elles ne vous donnent pas d'amour, les filles, là? Non, jamais. Jamais? Depuis le départ? Oui. Ce qui n'est pas vrai. Elles ont été souvent en demande, mais le problème, on reçoit ce qu'on donne. Et c'est ce que j'ai appris. Et moi, je peux dire une chose. Hein. Moi, je les ai pris comme mes filles. C'est mon plus beau cadeau du ciel. Et moi, je les aime, c'est tout. Toi, tu n'es pas capable de les aimer, on le voit. Mais je les aime. Est-ce que vous pouvez me sortir trois choses positives de vos filles? Agnès est travailleuse. Elle a du caractère. Ça peut être positif comme négatif. Pour l'instant, voilà. Ok, ça fait peu de choses, hein, vous avez vu? Oui. Et puis sur Agathe? Non, je ne trouve pas. Franchement, je ne trouve pas. Ben voilà, il est là le problème. Pourquoi Bernard voit le positif et que vous ne puissiez pas le voir? Je ne comprends pas. J'ai pleuré parce qu'il y a des choses qui touchent vraiment au fond des tripes, quoi. Donc, je les aime, mais je n'ai pas su leur dire. Puis à un moment donné, il faut que chacune, donc toutes les trois, mettiez un petit peu d'eau dans votre vin et vous dites, bon, ok, j'ai fait des erreurs, mais je n'ai pas envie de les refaire. Elles sont jeunes. Vous ne pouvez pas demander des choses à une petite de 13 ans ou de 15 ans, comme si elles avaient 18 ou 19. Pour la première fois, Agathe et Agnès se sont exprimées face à leur mère. Isabelle a finalement pris conscience de leur souffrance. Cette mère de famille est devenue l'ennemie de ses filles, car elle n'arrive pas à leur exprimer son amour. Pour qu'elles retrouvent leur complicité d'avant, il faut les aider au plus vite. Et pour cela, j'ai fait appel à Caroline Bonhomme, notre psychologue. Bonjour Caroline. Bonjour Pascal. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Tu es en forme ? Oui. Caroline a eu écho du déroulement des reproches entre Isabelle et ses filles. Elle va donc lui apprendre à être plus aimante afin de mieux exprimer ses sentiments. Donc là, on va faire venir vos filles pour pouvoir discuter un petit peu ensemble et faire le point pour qu'il y ait effectivement ce changement qui s'opère dans les plus brefs délais. Caroline veut pointer du doigt la maladresse d'Isabelle ainsi que sa difficulté à ouvrir son cœur à ses filles. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la souffrance dans chacune de vous trois. Et cette situation-là, si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez accepté d'être là, si vous avez appelé Pascal, c'est que vous avez envie de changer cette situation. Comment on pourrait changer cette situation? En se parlant mieux. Et en se parlant mieux, il faut écouter l'autre, mais l'autre ne doit pas être dans la dévalorisation. Dès que c'est quelque chose de positif, il faut y croire. Il faut encourager l'autre. Parce que là, midi, on vous a dit, on va changer. Ouais, là, vous faites vos gentils. De suite, vous nous avez cassés. Vrai ou faux? Mais on ne peut pas te croire si on ne voit pas d'efforts de ta part. Donc, tu veux pas voir mes efforts? Maintenant, si, je les vois. Maintenant qu'on est là depuis 5 minutes, si, je les vois. Mais avant, je ne pouvais pas les voir, je ne les montrais pas. Vous voyez, donc, il y a le changement qui s'opère. C'est-à-dire, là, à partir du moment où vous engagez à changer, c'est à partir de maintenant où il faut être positif. Est-ce que vous pouvez les regarder en leur disant justement tout votre amour, tout ce que vous aimeriez vivre? Oui, mais elles ne me regardent pas, elles. Est-ce que vous pouvez faire un effort, les filles, le regarder? Pas... Je te regarde, là, je t'a... Un regard franc et honnête. C'est pas trop vous demander, ça. Attention, là, c'est du reproche. Donc, je m'engage à changer, oui. Et avoir confiance en moi, et en vous. Et toi, Agathe? Bah, moi aussi. Tu peux me regarder quand tu me le dis, s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez lui demander avec de l'amour? Est-ce que vous pouvez la mettre en confiance? Est-ce que vous pouvez lui prendre la main en disant, est-ce que tu peux me regarder, ma chérie? Est-ce que tu peux me regarder? Mais pourquoi tu... Pourquoi tu fais, Agathe? On a vraiment l'impression que c'est un ordre. Non. Oui. On ressent le « s'il te plaît, maintenant tu m'aimes ». Même pas « s'il te plaît », « aime-moi ». C'est pas comme ça que je le vois. Eh oui. Je sais pas bien m'exprimer, c'est vrai. C'est pas... votre cœur que vous ne savez pas ouvrir pour le moment. Oui, peut-être. Quand je parle de lâcher prise, c'est ça. Parce que là, votre fille, elle n'a pas envie de vous regarder, mais je comprends, moi j'ai peur de vous aussi. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez. Je me projette en elle
Et effectivement, ma maman qui me dit « Regarde-moi et dis-moi que tu t'engages. Oh, » Olé. Vous voyez ? Ben, je vous aime, mais je vais changer, voilà. C'est sûr que ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, parce que je ne suis pas mimimati, je ne suis pas... Voilà. Agathe, tu me traites de sorcière, mais si j'étais une sorcière, j'aurais jeté un sort il y a longtemps. Sans inverse. Là, je ressens de la tendresse, là. Vous voyez ? Là, il y a un sourire. Il y a toutes les trois, là, vous souriez. Est-ce que vous sentez la différence ? Oui. Et vous ressentez l'attitude de vos filles qui change tout de suite ? Là, elles vous ont regardé, elles avaient le sourire, vous aviez le sourire toutes les trois. Vous comprenez la différence ? Ça se joue à rien, c'est uniquement à l'intérieur de vous. À l'intérieur de moi et... C'est pas dans les phrases, vous avez dit exactement la même phrase. Et de demander l'amour de vos filles, c'est pas un ordre. Ça va ? Ça va. Pourquoi tu pleures ? Je sais pas, je suis heureuse. Je me dis qu'en fait, elle va changer. Mais vous aussi ? Et vous allez m'aider à changer ? Écoutez-la, c'est beau ce qu'elle dit. Ouvrez votre cœur, écoutez-la. Oh, je peux pas parler. Vas-y. Faut que ça sorte. Ta maman t'écoute. Je l'ai jamais en fait entendu dire tout ça. C'est la première fois qu'elle est gentille avec moi. C'est pas vrai, ça. Chut, si, c'est la première fois. J'ai pas été habituée qu'elle soit comme ça, donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand elle disait qu'elle allait changer, j'y croyais pas, parce que je sais que c'est une tête qui est très dure et qui change pas aussi facilement. Et au final, elle nous montre qu'elle peut être gentille et qu'elle peut changer, qu'elle peut faire des efforts, surtout pour changer, pour s'améliorer. Et qu'elle vous aime ? Oui. Ben, ça s'est bien passé. En fait... C'est à partir de là qu'on a vu qu'elle changeait. Parce que je la sentais plus franche avec nous. Parce qu'avant, quand elle disait les choses, je n'y croyais pas trop. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre Agnès dire ça ? Ça me fait chaud au cœur. Ça vous fait du bien ? Oui. Avec Caroline, j'ai compris plein de choses en pas longtemps. Parce qu'elle sait mettre les mots sur les situations. À présent, on va faire un petit exercice justement de mise en pratique par rapport à tout ce qu'on s'est dit là. Tous ces mauvais liens, ces malentendus, ces incompréhensions, on va tout détruire. On va couper ces liens-là. On y va ? On y go. Allez, on y va. Ça va ? Oui. Grâce à cet entretien, Caroline a ciblé les points qui détériorent la relation entre Isabelle et ses filles. Il est impératif d'agir pour remédier à tout ça au plus vite. Alors, pour cet exercice, j'ai demandé à Bernard de venir pour être un petit peu le témoin de cet engagement qui va se faire ici. D'accord, donc Isabelle, je vous laisse à cet endroit-là. Les filles, vous venez ici et je vais vous équiper. Donc, je regarde dans quel sens c'est. C'est bon. Voilà. Ces cordes-là représentent les liens toxiques qu'il y a entre vous. Donc, je vais vous attacher. OK. Comment vous vous sentez, là ? Attachée. Attachée. Et est-ce que ça vous fait du bien d'être attachée comme ça ? Non. Parce que vous voyez que ce sont des liens d'emprisonnement qui sont négatifs. Donc là, on va essayer... d'identifier chaque lien toxique et d'en finir une bonne fois pour toutes. Le premier, il y a ce côté négatif, le défaitisme. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu autour de ça ? Je suis défaitiste parce que je manque de confiance en moi. Oui. Donc obligatoirement, ça a des impacts. Et du coup, est-ce que vous sentez aujourd'hui d'arrêter avec ça ? Oui, il me faut prendre confiance en moi. Oui. Est-ce que vous êtes vraiment prête à vous engager devant nous aujourd'hui ? Devant oui. Bernard, devant vos filles ? Je dis oui, je suis prête. D'accord. Eh bien, on va couper le lien, alors. Comment vous sentez ? J'ai feu d'artifice dans ma tête, tout se mélange, tout se... Je peux pas vous expliquer, c'est... Donc c'est positif ? Positif. Et comment ça va se traduire par rapport à vos filles, par rapport à Bernard ? Comment vous allez être optimiste ? En prenant confiance en moi,
parce que j'ai pas confiance en moi, donc voilà, il me faut prendre confiance en moi. Avant de pouvoir donner, il me faut être sûre de moi. Et là, comme vous avez coupé le lien, justement, vous prenez confiance là. Voilà. À partir de maintenant, c'est acté. C'est, oui, c'est imprimé. Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Peur d'être une mauvaise mère, et vous voyez que ça touche beaucoup votre maman. Est-ce que vous pouvez un petit peu parler par rapport à tout ça? Ça fait du bien d'être dans l'émotion pour pouvoir dire ce genre de choses. Disons qu'elle me répète tellement souvent, surtout Agathe, tu sers à rien, t'es inutile. Alors je voudrais qu'elle m'explique pourquoi elle dit ça. Alors vous sentez qu'il y a une grande détresse, une grande souffrance de la part de votre maman par rapport à cette peur-là. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre maman pleurer? Ben, ça me touche. Est-ce que vous sentez, les filles, de vous aussi ouvrir un petit peu votre porte? Oui. Je sentais la sincérité chez ma mère parce qu'on voyait que ça l'a touchée et puis on voyait qu'elle allait changer parce qu'avant, elle n'avait pas un air comme ça, elle parlait autrement, elle était toujours agressive avec nous et puis ça se voyait qu'elle voulait changer. On le coupe, ce lien toxique? Oui. Oui. J'aimerais que ce soit elle qui le coupe. Donc vous voyez, c'est dans la longueur aussi. Tout ne se fait pas tout de suite, d'une seconde à l'autre. C'est dur, mais regardez. Elle l'a eu. Ok, on continue. Alors ça, c'est pour un petit peu toutes les filles qui sont ici. Agathe, je vois que tu acquiesces. Est-ce que tu as cette peur? Oui. Jamais on vous abandonnera. C'est pour ça qu'on a adopté les trois. C'est vrai que je me rends compte... que les filles ont été abandonnées et d'un par leurs parents naturels. Donc c'est vrai que je me suis rendue compte qu'elles avaient peur que je les abandonne puisqu'elles croyaient que je les aimais pas. Donc quelqu'un qu'on n'aime pas, on peut l'abandonner du jour au lendemain. En prenant les ciseaux, votre mère justement vous montre à quel point elle vous abandonnera pas. Ah oui. Ça parle à qui? À nous tous. Agathe, t'as peur de ne pas être aimée? Bah c'est surtout pour maman. T'as peur que maman t'aime pas? Oui. Et toi, Agnès? C'est la même chose. Si je vous aimais pas, on n'aurait pas fait tout ça. Oui, mais tu ne nous le montrais pas, donc on ne pouvait pas le savoir. S'écoutez pas. Dès que je voulais vous parler, c'est... Hop. Attention! C'était pas possible, mais maintenant, ça va être possible. C'est bien. On coupe ce lien? Parce que alors là, tout le monde est concerné. Il faudrait quatre sécateurs, là. On va en couper un tous les deux de notre côté, et elle va en couper un autre toutes les deux de leur côté. Tu l'as eu. C'est bien. Merci de m'avoir eu. Ça fait depuis longtemps qu'on ne s'était pas pris dans les bras. Et ça m'a fait du bien. C'est bon. Ces liens étaient terribles. C'est très symbolique, mais c'était important de faire ce nettoyage. Il s'est passé ce que j'attendais depuis 3 ans. Tout le monde s'est pris dans les bras et c'était ce que j'attendais. Ben, je pense que on a tous les quatre participé et c'était pour moi participer à la reconstruction. Moi, je vois que ça pleure. Caroline, explique-moi un petit peu pourquoi il y a des larmes. Ben, c'est des larmes positives, c'est-à-dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. On a pris conscience de freins qu'il y avait. Il y a déjà une étape de ce que je demandais hier soir qui s'est passée. Laquelle? Elle se sent pas dans les bras. Et c'est pas ça. Possible, c'est vrai ça? Oui. Mais est-ce que ça s'est fait naturellement? Vous aviez envie, les filles? Oui. Bien, bravo, félicitations. Bon, la famille, en tout cas, je vous raccompagne. On se revoit demain. Caroline, merci beaucoup encore pour ton merci travail. Merci de rien. Je te dis à bientôt. Et bah, tous les quatre, vous me suivez. Allez, venez. Ça m'a fait drôlement de bien de couper toutes ces ficelles. C'est vrai que ça nous a emprisonnés toutes les trois. C'est avec le cœur plus léger qu'Isabelle repart accompagnée de ses filles et de son mari. Et je suis sûr qu'ils ne sont pas prêts d'oublier ce moment. La nuit s'apprête à tomber. Tous regagnent leurs maisons respectives. Il est temps pour eux de se retrouver et de se reposer un peu. Demain, une grosse journée les attend. Je vais les bousculer pour que les vérités éclatent enfin. C'est pas le comportement des enfants qui m'a fait mal, c'est surtout le comportement des parents. Moi, je n'aime pas, c'est tout ça, mes affaires, dégage de là. Tu n'écoutes pas nos excuses. Et vous, arrêtez d'être un petit peu trop bisounours. Il est 8h. Et je me dirige vers le bootcamp où séjourne toute la famille. Ce matin, la brume est omniprésente. Allons voir comment s'est passée cette deuxième nuit. Votre cauchemar revient. Ah oui. Bonjour. Bonjour Pascal. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bien dormi?
Non. Magnifique. Bien, bah, en tout cas, moi, je suis ravi. Je suis ravi si, si je vous perturbe à ce point, c'est tant mieux. C'est un travail en profondeur que je vais faire. Tout à fait. Je vais débuter la journée avec Isabelle et Bernard, car j'ai remarqué que les nombreux non-dits entre eux affectent beaucoup leur relation. Pour qu'ils se parlent en toute franchise, je leur ai prévu un exercice loin du regard de leur fille. Vous allez vous retrouver face à face. Et vous allez vous parler. Vous allez vous parler de vous, de votre couple. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout de cette ligne. J'ai besoin de savoir comment vous vous entendez aujourd'hui. Et depuis que les filles sont là, j'ai l'impression que votre couple, il part en dérive. Est-ce que je me trompe ? Non. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait changer à cela ? Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme ? On a l'impression que tu es devant ton ordinateur, comme te disent tes filles, où tu y passes 5 minutes, tu dis ? C'est bien que vous en parliez, parce que je suis au courant de l'ordinateur. Je crois que vous jouez. Oui. Ça vous prend combien de temps, ça, par jour ? Tous les soirs. Tous les soirs ? Oui, mais jusqu'à quelle heure ? Ben non, je regarde la télé en même temps. Même la nuit, tu te lèves pour aller jouer et fumer. Parce que c'était au moment où Agnès m'avait insulté. Non t'as... Si, rappelle-toi. On est parti en vacances, t'as eu une journée aussi où t'as explosé, où tu, je dirais, t'as été pire que les enfants. Pourquoi ? Parce que peut-être je veux que tu m'accordes du temps que pour moi, des fois. Non. Si ? Quand c'est qu'on passe, que tu passes 10 minutes avec moi, toute seule. On a pris du temps, pas assez. Quand ? Je reconnais qu'on n'a pas pris du temps assez. Quand ? Avant, on faisait plein de choses. La seule chose qui m'embête, c'est que de toute façon, dans la discussion, je dirais parler que du négatif de mes enfants, je m'en vais. Je l'avais déjà dit avant que Pascal arrive, tu passes tout ton temps avec les filles. Si je dis un truc, toi, tu dis le contraire. Pourquoi ? Je dirais, on s'énerve. Et pour un mot de travers, on va passer 3 heures à se déchirer. Un mot de travers, tu m'as traité de pute aussi. Non, Pascal, ouais. Non, je ne l'ai pas insulté. Ah, c'est pas ce qu'elle dit. Involontairement. Hein. J'étais en train de lui dire, arrête de t'exciter comme une puce. Et le mot, je dirais pute. Et involontairement, je dis, je m'excuse. Elle n'a pas écouté mes excuses. Il a fait 3 heures. C'est pas vrai. Il y a toujours une raison pour ne pas écouter les excuses. Eh ben, comme les excuses de tes enfants. Excuse-moi. Tu n'écoutes pas nos excuses. Pas de mots doux, excuse-moi ma chérie, non, c'est je m'excuse. Tu veux ce qu'elle veut, votre femme ? Vous voulez que je vous dise ce qu'elle veut ? Nous rabaisser. Non, nous pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas ça, pas du tout. Ce qu'elle voudrait ? C'est pas ça. Ce qu'elle voudrait simplement. Posez les battes de baseball, posez les battes de baseball. Rejoignez-moi au centre. Retirez vos lunettes. Regardez-vous. Regardez-vous tous les deux. Moi, je l'aime, ma femme. Et je t'aime. Tu me le dis jamais. Tu me dis jamais ? Non. Il vient de le dire, là, pourtant. Oui. Là. Mais je le dis souvent, mais tu l'entends pas. Tu nous entends pas. Est-ce que vous êtes prête à entendre ces mots-là, qui sont forts, hein ? J'aime ma femme, j'aime tout le monde dans la famille. Mais je peux pas, j'ai pas de choix à faire entre toi, les filles, Adrien, et personne. Je t'ai jamais demandé de choisir. Je t'aime. Mais je, des fois, c'est ce que tu me demandes. Ah non. Vous avez entendu ou pas ? Oui. Est-ce que là, vous avez entendu ? Parce que ça fait 2 fois que j'entends ce mot-là. Oui. Et vous faites rien. Vous entendez... Ben c'est vrai, arriver à ce stade, à lui dire, lui redire que je l'aimais pendant cette phase, même si je l'aime encore profondément. C'est vrai que ça nous a fait... On s'est aperçu qu'on ne passait pas du temps, assez de temps à discuter entre nous. Franchement, on en avait besoin. Si vous montrez à vos enfants ce que je viens de voir là, ça va les rassurer. Ils vont avoir une belle image de vous deux en disant « Oh, t'as vu nos parents, comment ils s'aiment, c'est beau. » On le faisait avant. Vous aimez votre mari ? Oui. Vous lui dites ? Oui. Vous l'entendez ? Oui. Mais on ne se le dit pas assez souvent. On ne se le dit plus assez souvent à cause de nos disputes. C'est dommage. Donc on va rester sur cette touche positive. Isabelle et Bernard ont enfin pu se dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Une opportunité unique pour ce couple marié depuis 35 ans. Nous revenons au bootcamp où Agnès et Agathe m'attendent. Je leur ai prévu un petit programme, mais je n'en dirai pas plus. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Bien dormi ? Oui. Bon, aujourd'hui, il y a une grosse journée encore. Donc je compte sur vous, j'espère que vous avez la pêche. Oui. Vous me rejoignez ? Oui. Allez, à tout de suite. Pour cette nouvelle étape, j'ai besoin d'avoir la famille au complet. Tous l'ignorent, mais ce matin, ils vont vivre un moment difficile. Je veux leur provoquer un électrochoc. Et pour cela, je vais les confronter au regard de personnes inconnues.
Suivez-moi. Monsieur dame, bonjour. Merci d'être venu. On arrive, on voit tout ce monde, toutes ces personnes qui sont neutres, qui ne connaissent pas notre histoire. Donc je sais que Pascal va passer un film que forcément on n'a pas envie de voir. J'étais impressionnée, je ne croyais pas que ça allait arriver, que tous ces gens allaient revoir les vidéos. Aujourd'hui, je viens en aide à une famille avec des enfants adoptés. Déjà que nos propres enfants, c'est pas simple, alors quand on adopte, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe au sein de cette famille et on va essayer de communiquer, on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui ils en sont arrivés là. Bon visionnage et on se voit juste après. C'est toi plus qui fait la victime, mais t'en as pas marre. T'en as pas marre de faire la victime. Je vais rien dire. Oui, t'es une alors. Tu touches pas. Et Agnès, elle veut pas que tu lui touches. S'il y a un truc que j'aime pas, c'est toucher à mes affaires. Dégage de là, pourquoi tu vas faire quoi? Pourquoi vous touchez aux miennes alors? Vas-y, énerve-toi. Mais tape-moi quand même. Mais vas-y, quoi, tu te pousses. Violente. Dégage de là. Non, je dégagerai pas. Regarde ce qu'il y a, regarde. Il y a du bordel. Il est bien rangé. Oui, va-t'en maintenant. Fouille. Tu fouilles dans mes affaires et je vais fouiller les tiennes. Agathe, viens. Agathe. Agathe, viens, on va fouiller dans sa chambre. Mais viens. Allez, vas-y, t'inquiète pas. Je vais le faire, hein. Je vais le faire. Mais quand j'étais en train de regarder la vidéo, à un moment, j'ai regardé Agnès et je lui ai dit « Non, c'est pas possible, c'est pas nous. » Prends mes affaires. Je les ai pas, tes affaires. Non, tu les as pas. C'est quoi, les affaires de l'année dernière? Oh, t'as que de l'air encore plus, là. Bien, voilà. Ça résume pour la situation. Donc, ce que je veux demander, c'est à la famille de bien vouloir me rejoindre. Je présente Isabelle, la maman. Bonjour. Bernard, le papa. Bonjour. Agathe. Et Agnès. Je voulais avoir votre sentiment par rapport à ce que vous avez vu et entendu. Qui a envie de commencer? Je suis assez ému par les images que j'ai vues. Parce que c'est très très dur. C'est pas forcément le comportement des enfants qui m'a fait mal, c'est surtout le comportement des parents. De la maman notamment. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Avec le temps, je suis arrivée là parce que elle me cherche à longueur de journée. Donc au bout d'un moment, voilà quoi, la patience explose quoi. Mais je sais que j'ai ma part de responsabilité, mais je vous jure qu'elles ont la leur. Merci. Quelqu'un d'autre? J'ai l'impression que de la part des filles, il y a une grosse demande d'amour pour vous et de la part de vous, une grosse demande d'amour pour elles. Mais vous fonctionnez avec l'amour à l'envers. On sent que les filles, elles veulent attirer votre attention. Tout à fait. Et que vous essayez de leur dire quelque chose et vous n'y arrivez pas parce que vous êtes pris dans un engrenage. Dans un engrenage de révolte, d'agressivité, mais vous avez une grosse demande. Les gens ont compris que tout le monde s'aimait dans notre famille, mais personne n'osait se le dire, ou pas de la bonne manière, et qu'on était parti dans un système complètement à l'envers et qu'il n'y avait pas 36 solutions. Il fallait changer, il fallait casser ces liens toxiques dont on avait parlé. Ce qui est important, c'est qu'un enfant ressente effectivement l'amour de son père ou de sa mère, mais en même temps qu'il sache que le père est là aussi, ou la mère, pour des limites. Les limites vont les sécuriser, les limites vont les apaiser, et toute la violence, la colère vont tomber. Je trouvais qu'ils n'étaient pas là pour nous dire des choses qui ne nous plaisaient pas, ils étaient plus là pour nous aider, pour nous donner des conseils, donc c'était constructif. Il faut repositionner votre épouse à la place de maman. Oui, mais... Et vous, arrêtez d'être un petit peu trop bisounours. J'aime tout le monde. Et jouez plus. C'est dur de la part d'une femme, ça, encore là. J'aime bisounours. Et être beaucoup plus le rôle de l'homme. Votre femme est en manque d'amour et de reconnaissance en tant que maman. Elle donne tout ce qu'elle peut avec les outils qu'elle a. Mais si vous ne l'aidez pas, elle va augmenter dans la violence. Les filles vont le recevoir et ça ne pourra être que de la violence entre elles. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement d'amour entre vous. Eh bien, on va rester là-dessus. Voilà. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, ça, non? Oui. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon retour chez vous et à très bientôt. Je propose de quitter la pièce. Au revoir. Au revoir. C'était très intéressant parce qu'ils voyaient des solutions que nous, on n'a pas forcément vues. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Isabelle, Bernard et les filles repartent avec le sourire. Et cette fois, avec de nouvelles bases pour consolider leur famille grâce au conseil du public. Maintenant que Agnès et Agathe ont retrouvé la force d'aller de l'avant, je veux leur prouver que l'adoption n'est pas un frein dans leur vie.
Pour cela, j'ai invité Caroline Bonhomme et Gaspard Jassef, né au Rwanda dans un contexte difficile avant son adoption en France. Il partagera son expérience avec les filles. Bonjour Gaspard. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Bien, je vous présente Gaspard. Il va se présenter à vous, il va vous dire qui il est. D'accord ? Donc vous allez faire une discussion à quatre. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Ok. A tout à l'heure. Moi, je viens du Rwanda. J'ai été adopté aussi à l'âge de 7 ans. Ça fait maintenant 22 ans que je suis en France. Et je suis historien de formation. Et là, je viens de créer ma propre marque de café. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre parcours, votre histoire ? Ben, on a été adoptés tous les trois. On vient tous les trois de la même famille. Et puis maintenant, avant, ça se passait mal à la maison. Et du coup, ils ont appelé Pascal pour qu'il nous aide. Ouais, quand vous dites que ça se passait mal, c'était... Ben, c'était des disputes tous les jours. On se criait dessus, on se prenait la tête. C'était toujours dans le négatif. Enfin, déjà, à l'école, avec vos amis, vous avez des bons rapports. Oui. Et donc, c'est juste à la maison où ça se passe pas bien. Oui. Avec vos deux parents, non ? Oui. Enfin, c'est surtout avec notre mère. Ben, il est sympa et il nous a raconté que lui aussi, il a été adopté par une dame. Et que maintenant, ça se passe très bien avec elle. Et qu'il fallait jamais l'insulter, la taper. Le fait que vous soyez adopté, c'est une force que vous avez. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, si votre mère vous a adopté, c'est qu'elle vous aime. Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de parents qui adoptent et n'aiment pas ses enfants. En général, les enfants adoptés, moi, je connais beaucoup d'enfants adoptés. Et tous ceux que je connais, ils ont tous eu des problèmes à arriver à un moment ou à un autre. Mais par contre, au final, ils arrivent tous à s'en sortir. Mais parce que derrière, c'est dans nos gènes. Hein. Notre cerveau, il se bat, on le voit pas, hein, les gens ne le voient pas, etc. Mais... Une capacité à rebondir, c'est comme ça. Ouais, une capacité à rebondir, à s'adapter. Ben, on a une double culture. Mm-hmm. Plus on est enrichi de culture, mieux on est armé pour le reste. Donc, Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, les filles ? Ça vous fait du bien d'entendre oui. ça ? On voit qu'il veut avancer dans sa vie et moi aussi, je veux avancer dans ma vie. Donc, ça nous a donné une force à nous, comme il nous a dit. Ça nous a plus renforcé, oui, en nous. Merci d'être venu de ton intervention. Et bravo. Et ton café ? Bah, mon bientôt café, j'espère que vous allez tous le consommer. Là. Ah, ça y est. Bah, j'espère bien. Bon, vous, un peu plus tard. Ça parle du café, donc ça signale la fin, c'est ça ? Non, ça s'est bien passé, Gaspard ? C'est le début de Gaspard, justement. Ah. Alors, cette conversation avec Gaspard, vous voyez qu'on peut s'en sortir, même si on est adopté. Ouais. Oui. Il vous a dit ce qu'il faisait aujourd'hui comme métier ? Le café. Eh ouais. Tu vois, comme quoi ? Et en plus, ça a un lien directement avec son pays d'origine. Bon, en tout cas, Gaspard, je tenais à te remercier, vraiment. Merci beaucoup de ta présence. Et puis, nous tous les trois, on va partir, parce qu'on a d'autres choses à faire. Et puis, on va laisser Gaspard reprendre sa petite vie à travers le café. Sa grande vie, ouais. Je lui ai dit merci, parce que ça m'a touché, tout ce qu'il nous a raconté. Et ben, nous aussi, on va s'en sortir. Je le remercie pour ce qu'il nous a donné comme conseil, pour tout ce qu'il nous a dit et tout ce qu'il nous a dit pour nous aider et puis surtout pour les conseils qu'il nous a donnés. Donc vraiment merci. Ce message d'espoir délivré par Gaspard Jassef va permettre aux filles de se construire et d'aller de l'avant avec confiance. Pour terminer cette journée, je veux montrer à Isabelle et à Bernard que la confiance et l'union sont les bases pour consolider une famille. Pour qu'ils prennent conscience de cela, je vais les mettre face à une grosse responsabilité. Alors je vous présente la famille au complet, Bernard, Isabelle, ouais. Agathe et Agnès. Laurent. Donc Laurent est là pour vous donner les rudiments concernant la sécurité pour pouvoir faire de l'escalade. Sur vous quatre, seulement deux personnes vont devoir grimper. Et les deux autres vont devoir assurer la sécurité de ceux qui montent, celles qui montent ou ceux qui montent. Pour cette opération très périlleuse, j'ai mis aux commandes Bernard et Isabelle. Agathe et Agnès auront quant à elles une mission bien particulière.
Agathe et Agnès, tu seras assuré par maman. Et toi, tu seras assuré par ton papa. D'accord ? Oui. Le but, vous allez devoir grimper. Et lorsque vous allez commencer à grimper, vous allez bien regarder ce qu'il y a autour de vous. Il faudra me trouver une enveloppe qui est cachée quelque part. Une fois que vous avez cette enveloppe, vous redescendez pour me la rendre. Mmh. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a quelque chose. OK ? Ça, c'est votre mission. La mission de vos parents, assurer la sécurité de vos filles. Donc là, on travaille sur la confiance. Le but de l'exercice, c'est que, enfin, les filles prennent confiance en moi. Et moi, confiance en moi, en moi-même, quoi. Donc, c'est vrai que si on lâche la corde, ben, elles tombent. Les filles, est-ce que vous vous sentez capable de grimper ? Oui. Alors, on avance, c'est à vous, je vous regarde. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et on tend bien la corde en même temps qu'elle fait le mouvement. Vas-y. Allez, vas-y. Ah, c'est pas mal. Vas-y, c'est pas mal. Agnès, je sais qu'elle a fait un gros travail sur elle-même parce qu'elle a le vertige. La peur du vide, donc voilà quoi. Mais là, il me fallait assurer Agnès. Donc, et Agnès, elle me fait pas confiance, je le sais. Très bien, Agnès. Et on assure la corde, attends. Très, très bien, Agnès. Allô ? Oh, papa ! Ouais. Vous êtes avec qui, là ? J'ai suivi Agnès. Ah ouais, mais Bernard, vous devez assurer Agathe. Agnès, vous la laissez tomber, s'il vous plaît. Tends la corde. Ah oui ? Non, mais là, j'ai appris. Ah oui, vous êtes avec Agathe. Vous avez vu, vous regardez plus Agnès que la deuxième fille. C'est sympa, sauf que papa, il disait tout le temps à Agnès, c'est bien Agnès, allez, courage. Et du coup, ben, à un moment, ma corde, elle n'était pas tendue, puis je lui ai crié dessus. C'est pour ça qu'elle se sent à l'écart aussi. Ouais, je comprends. Bon, je récapitule. Bernard doit s'occuper d'Agathe et Isabelle doit veiller à la sécurité d'Agnès. Voyons si à présent tout rentre dans l'ordre. Ah, c'est bien, Isabelle. Attention, voilà. Vous avez croisé les cordes. Bernard. Voilà, passe de l'autre côté de la corde. Bernard, faut tendre la corde, Bernard. Mais tu te mélanges avec moi, là, Agathe. Stop. On tourne autour de la corde. Agnès, c'est quoi ça, là ? Voilà. Il me déconcentre, lui, mais occupe-toi d'Agathe, hein, parce que c'est pas toi qui dois t'occuper de moi. Exactement, je suis d'accord avec toi. Oh là là, c'est haut, quand même. Il faut trouver une enveloppe, apparemment. Ouais, non, mais déjà, tu vois, j'essaye de monter. J'arrive pas, hein, je sais pas où il faut que j'aille, là. Ça va ? Oui, oui. Comment vous sentez, là ? Moi, j'ai peur, j'aime pas le vide, alors. T'as peur du vide ? Regarde pas en bas. C'est bon ? À partir de maintenant, vous me cherchez une enveloppe. Là, elle est là. J'ai récupéré la lettre en haut. Je l'ai mis dans mon t-shirt pour qu'elle tienne. Et puis, Pascal, il m'a dit que je pouvais l'ouvrir une fois que j'étais en bas. On va là-haut. Ouais. Ça va. OK, maintenant, vous êtes là-haut, il faut redescendre. Donc maintenant, vous allez devoir faire confiance à vos parents. Ouais, ben là, je bouge. Vers l'arrière, t'inquiète pas. Tiens, t'inquiète pas, Agathe, ça descend. Ouais, fais comme ta sœur, Agnès, regarde ta sœur. Fais comme elle. Et mets-toi vers l'arrière, plutôt, vers l'arrière. N'aie pas peur, Agnès, stresse pas. Allez, mais je tiens, hein. Non, mais même peu importe, là, je vais fais tomber. Confiance en ta mère, s'il te plaît. Fais-lui confiance pour une fois. Elle me donne du mou. Allez, Agnès. T'inquiète pas. Vers l'arrière. Agnès, vers l'arrière. Mais je lui faisais pas trop confiance au début. Après, ça allait mieux, mais c'est aussi parce que j'avais peur. Donc, j'avais peur de tomber, mais elle était là pour me rassurer, donc ça allait. Allez, je suis fière de toi. Ouais. Allez. Encore ? Ah, allez. Regarde, ouais, c'est derrière. T'as laisse-moi de la liberté. Super. Doucement. Encore du mou. Oui, mais je vais Mettez main devant. Du mou. Encore du mou. Eh ben, disons. Mais voilà, super, je t'ai pas laissé tomber. Viens avec moi, Sandy, s'il te plaît. Tiens, mets cette mute-là. Dans cette enveloppe, il y a quelque chose. Vous allez ouvrir cette enveloppe et me dire ce qu'il y a à l'intérieur. À mes filles, à moi de prendre vraiment confiance en moi et vous en vous. Le mur qui nous sépare est cassé, toutes ces ficelles ont été coupées. Une nouvelle vie commence, un nouveau départ, une deuxième adoption. Je ne sais pas si vous m'avez vraiment compris, mais je vous aime. Cette aventure avec Pascal et toute son équipe a été un deuxième séisme dans ma vie. Un feu d'artifice d'un nouvel amour, d'une nouvelle vie. Je vous aime. Je ne le dirai peut-être pas tous les jours, mais c'est du fond de mon cœur, de maman, que je le pense sincèrement, maman. Ça vous fait quoi, les filles, lire ça ?
ça fait chaud au cœur. Agathe. Mais ça me touche. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos parents? On va changer et nous aussi on vous aime. Agathe. Je vous aime et je vais changer. Je vais te faire confiance. C'est pas beau ça? Est-ce que vous pensez qu'à un seul moment, elles étaient capables de vous dire ce genre de choses? Non. Non, parce que moi je le disais pas de moi-même. Ça se voyait qu'elle voulait changer et puis qu'elle nous aimait, même si elle ne nous le disait pas. J'espère que cette aventure restera gravée au plus profond de vous très longtemps. Je l'espère. N'oubliez pas toutes les discussions que nous avons eues, d'accord? C'est pas terminé, parce que vous allez devoir prendre le relais. Parce que moi, je vous abandonne maintenant. Je reconnais que ça va pas être facile comme ça du jour au lendemain, parce que c'est pas en trois jours qu'on va... Voilà, mais il faut avancer, quoi. Je ne vous oublierai pas tous les quatre, en tout cas. Je tenais à vous remercier. Vous êtes une très belle famille. Et vous, vous avez un parcours qui est terrible. Et quand je vous vois comme ça, rayonnante, souriante, et je sais que vous allez avancer maintenant, enfin, main dans la main, tous ensemble, bah, je peux partir tranquille. Enfin. Merci. De rien, fais-moi un bisou. Merci. Prends soin de toi. Vraiment, je le remercie beaucoup. Et puis, à vous aussi, je vous remercie parce que... Enfin, vous êtes quand même formidable parce que j'y croyais pas quand même hein, que ma mère elle allait changer. Merci. Merci à toi. Je le remercie beaucoup parce qu'il nous a aidés. Il nous a donné plein de bons conseils. Je me permets, je vous embrasse. Merci à vous. Pascal. Je dirais à Pascal, on ne peut que le remercier. Et Caroline aussi. Ainsi que toute l'équipe. Parce que, il y a trop longtemps que j'attendais ça. Allez, venez-la. Venez-la. Dans mes bras. Il est génial. Et vraiment, je le remercie et toute son équipe aussi. Et franchement, j'oublierai jamais. Prenez soin de vous. Et vous de vous. Prenez soin de vous. Merci encore. Un mois après la fin du tournage, l'ambiance à la maison s'est nettement améliorée. Isabelle donne désormais toute sa confiance à ses filles qui s'épanouissent et qui respectent les règles depuis mon départ. Bernard et Isabelle s'accordent plus de temps. Grâce à l'aventure, ils ont pu retrouver leur complicité d'avant.